Shalom, shalom. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui, n'est-ce pas, du 5 décembre 2017. 5 décembre 2017, il est pratiquement 11h à ma montre là. Et là, je suis en direct sur mon compte Facebook pour, n'est-ce pas, un enseignement de taille. Un enseignement de taille tout à l'heure. Voilà, un enseignement de taille tout à l'heure. J'attends que beaucoup se connectent. Comme ça, n'est-ce pas, on va commencer. Connectez-vous pour qu'on commence. Parce que nous sommes dans un moment de prière, de jeûne. Shalom, shalom à vous. Voilà, shalom à vous qui venez de me prendre. Nous sommes dans un moment de jeûne et de prière. Je promis faire un direct ce matin. Donc, voilà. Un direct pour vous donner un peu le secret de la transition, ce qu'on appelle la transition. Voilà, donc connectez-vous. Et ceux qui sont dans les moments de jeûne, shalom à vous. Depuis le premier, nous sommes dans un moment de jeûne pour, n'est-ce pas, le jeûne de possession. Nous voulons posséder l'année 2018. Donc, merci déjà pour que ceux qui sont déjà en ligne. Voilà, ceux qui sont déjà en ligne, shalom à vous. Voilà, shalom à vous. J'attends que beaucoup de personnes se connectent. Connectez-vous. Comme ça, nous allons démarrer l'enseignement. J'attends que beaucoup de personnes partagent déjà la vidéo. Voilà, partagez déjà, commencez à inviter des personnes. Commencez déjà à inviter des gens et partagez la vidéo. Commencez déjà à inviter des personnes. Shalom à vous. Ceux qui viennent déjà me prendre, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Invitez des gens. Invitez des gens. Invitez des gens. Voilà. Voilà. Invitez des gens. Connectez-vous parce que c'est important. Je vais vous donner un enseignement de taille tout à l'heure, n'est-ce pas, quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. Voilà, le secret de la transition, c'est vraiment important. Voilà, nous sommes en train de dire au revoir en 2016. Voilà, nous sommes en train de dire au revoir en 2016 et c'est vraiment important de savoir comment rentrer en 2018. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, c'est vraiment très important. Nous allons essayer de vous donner des enseignements, c'est vraiment important. Donc, connectez-vous, commencez déjà à partager la vidéo pour qu'on puisse vous donner des secrets, n'est-ce pas? Parce que si vous n'avez pas des secrets spirituels, il sera difficile pour vous de rentrer dans certaines grâces. Voilà. Voilà, parce que c'est la spiritualité qui fait le monde visible. C'est l'invisible qui fait le monde visible. Et voilà, il faut avoir des mystères, il faut avoir des secrets. Il faut que tu aies des secrets. Ça, c'est vraiment important pour percer les mystères. Parce que 2018, là, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde qui soit en train d'entrer. D'ailleurs, même cette période-là, maintenant, nous constatons qu'il y a beaucoup d'accidents et tout ça. Voilà. Mais c'est pour que tu comprennes que... Voilà, shalom à vous, ceux qui sont en train de prendre. Shalom, shalom. Au 2018, là, ça c'est important parce que les gens, ils se lèvent matin, ils ne prient pas. Ils sont surpris qu'ils font des accidents. Ouais, moi, je suis fort étonné. Ils sont très surpris parce qu'ils font des accidents. Ils sont... Non. Frère, les sorciers, cette période-là, c'est une période aussi de transition pour eux. Le monde mystique de la sorcellerie, c'est aussi une période pour eux, une période de transition. Vous comprenez? Voilà, donc, eux aussi, ils ont aussi une manière de faire aussi. Donc, ils font des sacrifices humains. Vous comprenez? Des accidents, ils font des accidents, des sacrifices, parce que c'est ce que leur impose leur maître Satan. Pour, n'est-ce pas, renouveler leur pacte satanique par rapport à la nouvelle année. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu te lèves, parce qu'on a toujours enseigné ça aux gens, ils ne savent pas. Vous êtes surpris que le diable vous attaque. Mais le diable, il est fait pour attaquer les gens. Lui, il joue pleinement son rôle. Le diable, c'est un adversaire. Le diable, c'est l'adversaire des frères. Le diable, c'est notre adversaire. Le diable, il joue pleinement son rôle. Il est diable. S'il n'attaque pas, c'est qu'il n'est pas diable. Alors, d'autres disent... papa, je suis beaucoup attaqué. Mais attends, moi-même, là, je suis attaqué. Mais je banalise le diable. Pourquoi? Parce que j'ai le secret. Quand je me lève matin, je sais
Quand je me lève matin, déjà à partir de 3h30 du matin, j'essaie déjà que le diable a programmé la nuit. Qui le diable ne veut pas manger? Qui le diable ne veut pas programmer? Qui ne veut pas mettre en sauce grecque? Qui les sorciers ne veut pas manger à Clara? Qui les sorciers ne veut pas manger à Sioko? Qui ne veut pas manger la sauce tikliti? Qui ne veut pas? Quel sorcier? Quand tu marches dans la rue, tous les sorciers te convoitent derrière ta cuisse. Ils disent, mais lui là, il a un bon gigot, il faut que je le mange. Hein? Je braise les gigots, hein? Je braise ça, et puis il met assez d'oignons là-dessus, tomates. Voilà, et puis j'achète à Bujama chez les ébriers là, et puis on le mange. Hein? On fait bon barbecue, on le mange avec ça. Mais quand tu marches comme ça, tes jugots là, tes cuisses là, les sorciers envient ça, ils veulent manger. Les sorciers veulent manger ton gigot. Ah, c'est quelle femme qui marche comme ça, on a envie de la manger. Ah, c'est quel enfant, ils veulent te manger. Ouais, donc eux, ils mangent. Donc quand tu passes près d'eux, ils veulent te manger. Voilà, il veut te manger. Donc, le rôle que joue le diable, c'est un rôle de destructeur. Le diable lui détruit. Donc, lui joue pleinement son rôle en t'attaquant. Si le diable ne t'attaque pas, c'est qu'il n'est pas diable. Maintenant, dis, je suis beaucoup attaqué. C'est tout à fait normal parce qu'à cause de ta destinée, à cause de ce que tu as en toi, à cause de ce que tu représentes, à cause de ce que tu. Dieu, à cause de ton étoile, la dimension de ton étoile est égale à la dimension de l'attaque. Voilà, vous pensez que moi je ne suis pas attaqué? Même Jésus-Christ, même il est attaqué. Mais je banalise, puisque matin, à 3h30 du matin, quand je me lève, je déprogramme. Eux, ils programment, non? N'est-ce pas? Ils programment l'attaque. Ils se disent, à telle heure, il faut que telle personne ait accident. À telle heure, il faut que le prophète Crasso, Joro, ait accident. Moi, quand je me lève là, pour prier, je déprogramme. J'annule ça. Donc, la Bible dit que tout ce que tu délies sera délié. Et tout ce que tu lis sera lié. Donc, lui, c'est un programmateur. Et moi, je viens, il y a des programmes. Donc, tranquillement, je marche. Et ces attaques n'ont pas d'impact sur moi. Ces attaques. Mais si tu passes ton temps en train de dormir et que tu ne donnes pas de la place à la prière et que tu ne peux pas te réveiller, tu ne peux pas te réveiller à 3h30 ou 4h du matin pour prier l'aurore et que tu trouves que sommeil, il y a sucre dedans, c'est devenu mielleux. Hein, il y a sucre. Et que c'est à cette période-là, tu t'étires dans le lit. Et tu fais biolololololo, biolololololo, tu ronfles. Hein, tu es en plein concert jazz, cubain jazz, dans les narines. Tes narines sont en train de faire les bases. Parce qu'il y a des gens, quand ils ronflent, leurs narines, là, c'est comme concert cubain. Voilà. Donc, si tu penses que. Hein, n'est-ce pas? Dormir est important. Et tu négliges la prière, mais tu es mal barré. Or, la Bible dit que nous ne sommes plus dans la chair. Nous n'avons plus marché selon la chair, mais marché selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. Qui veut dire, il faut favoriser les choses de l'esprit. Il faut favoriser les choses spirituelles. Ça dit quoi? Il faut mettre plus de l'avant tout ce qu'est la spiritualité. Il faut mettre de l'avant tout ce qu'est la spiritualité. Tu te réveilles matin, tu dois comprendre qu'il faut que tu pries. Voilà, tu te lèves matin, il faut que tu comprennes que tu dois prier. Et que si tu ne pries pas, tu es mal barré. Vous comprenez? Et que tu ne pries pas, tu es mal barré. Donc, ne soyez pas surpris pour ceux, bien sûr, qui ne prient pas et qui ont les attaques d'accident, qui sont frappés par un accident, qui sont frappés, foudroyés par, n'est-ce pas, des attaques mystiques, les attaques de la sorcellerie. Ne soyez pas surpris. Frère, ne sois pas surpris que le diable t'attaque de cette manière. Parce que lui trouve bon, parce que tu n'as pas Dieu, tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Tu comptes sur qui? Mais qui est ton Dieu? Qui est ton protecteur? Hein? Qui est ton protecteur? Tu crois quoi? Attends, tu penses que le diable, tu penses qu'on vit dans une vie comme ça? Non, David dit, l'Éternel est mon berger, moi je ne manque de rien. Voilà, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Vous comprenez? Il dit, l'Éternel, il est mon berger. Et moi, je ne manque de rien. Or, quand vous avez l'Éternel comme vos bergers, il vous protège. Même quand vous traversez, il a dit, mais quand je traverse, ça n'est pas dit, je ne vais pas avoir des attaques. Il a même dit, hein, même quand je traverse les sombres vallées de la mort, je ne crains aucun mal car l'Éternel est avec moi. Malgré les attaques, malgré le fait que tu traverses les sombres vallées de la mort, parce que tu vas traverser ça, tu ne resteras pas dedans. Mais pourquoi toi tu restes? Il y a d'autres qui restent dans la sombre vallée de la mort. Ils restent. La mort, l'accident, ils sont foudroyés parce que Dieu n'est pas leur appui. Ils ne comptent pas sur Dieu. Donc, c'est normal que le diable les attaque.
La Bible même dit, le malheur atteindra parfois le juste. Le malheur atteindra parfois le juste, mais l'Éternel en délivre tous les jours. Vous comprenez? Le malheur atteindra parfois le juste, mais l'Éternel en délivre tous les jours. Ça veut dire que les choses doivent arriver, mais tu recevras la part du Seigneur, son soutien et son appui et son secours. L'Éternel, le malheur atteindra parfois le juste. Le juste même, le malheur va venir souvent, mais l'Éternel est là, sera là pour le délivrer. Et comme dans Jérémie, le chapitre 1, à partir du verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi vous voulez exclure le combat? Pourquoi vous voulez exclure un combat de votre chrétienté? Vous voulez marcher en tant que chrétien, et puis le diable ne faut pas qu'il va vous attaquer. Il ne faut pas que le diable vous convoite votre chair. Votre chair est importante, c'est tendre, mais il ne mangera pas ça. Dis amen. Le diable ne pourra pas manger ta chair. Parce que ta chair, tu n'es pas mangeable. On ne peut pas te manger. Vous comprenez? Quand vous marchez, les sorciers vous disent, ah, souvent même moi, quand je marche, les sorciers, mais quand je passe près d'eux, ils ont migraine. Voilà. Parce que le fait de me regarder, déjà, ils ont commencé à avoir migraine. Parce que la Bible dit que ne touchez pas mes oints. Et comme tu es une oint, tu es un oint, quand le diable te regarde, il a migraine. Amen. Ça dépend de comment tu marches avec Jésus. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, moi, je nargue le diable. C'est comme David. Voilà. Je nargue le diable. Le diable, là, c'est notre adversaire. C'est un vaincu. Hein? C'est un vaincu. Pourquoi le vaincu arrive à te manger? Pourquoi celui que Jésus-Christ a vaincu? Écoutez. La victoire était déjà acquise à la croix par Christ. Ce n'est pas une question maintenant de combat. Non, on a déjà la victoire en Jésus-Christ. Nous avons déjà la victoire en Christ. Ce n'est pas parce que tu en parles maintenant. Non, quand on parle, c'est pour prendre notre victoire. Voilà, ce n'est pas pour aller combattre. Moi, je ne combats pas. Je pars prendre ma victoire. Toi, tu ne dois pas combattre. C'est vrai, tu prends ta victoire et tu marches chez eux parce que tu as Jésus-Christ. Là, David dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. C'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. C'est pour ça que leurs projets contre toi échoueront toujours. Tout ce qu'ils sont en train de faire contre toi, leur manigance, tout ce qu'ils sont en train de faire échoueront toujours. Mais, vigilance, il ne faut pas jouer. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. On ne joue pas à la spiritualité. Vous savez qu'à un moment donné, quand on pense qu'on baigne dans la joie, on baigne dans une atmosphère de victoire, tout baigne autour de nous, l'attente, les choses vont très bien, on commence à faiblir dans la prière, on reprend nos conseils gaz. Les conseils qu'on avait suspendus, maintenant on les reprend à guichet, n'est-ce pas, gratuit. Les voisins même écoutent notre... Parce qu'il y a des gens, quand ils dorment, tu ne peux pas passer près de la maison. Tu as envie de danser bébé. Parce que leur narine, de toute façon, ça fait... Brrr, brrr, brrr. Tu as envie de danser bébé. Voilà, donc, frère, il faut rester, il faut apprendre, n'est-ce pas, à conserver, n'est-ce pas, sa délivrance. Il faut apprendre à conserver cette victoire. Voilà, il ne faut pas faiblir dans la prière. Or, l'âme puissante du chrétien, c'est la prière. La Bible dit, les âmes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Que vous voulez ou pas, le diable vous convoite. Que vous voulez ou pas, le diable rôde. On dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, le diable, il rôde autour de vous, n'est-ce pas? Il rôde autour de vous. Il cherche toujours à vous dévorer, toujours à vous mater. Lui, c'est son plan, c'est de te manger. Lui, de son plan, c'est de faire une sauce, n'est-ce pas, une sauce tomate. Voilà, par exemple, une sauce tomate, et puis il fait le kebab, et puis te manger. Ils sont là. Que vous voulez ou pas, il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorciers. Que vous voulez ou pas, il n'y a pas une famille. Vous allez me dire, j'exagère, mais c'est comme ça, ça y est. Malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorciers. Et donc, les sorciers qui sont dans la famille, eux, ils sont contre ceux qui ont une étoile. Ceux qui sont appelés à se marier, ceux qui prospèrent, voilà, parce que d'ailleurs même, chacun d'entre nous est appelé à prospérer. Dieu n'a pas créé, n'est-ce pas, des inutiles. C'est la sorcellerie, c'est le diable qui vient et qui nous détruit et fait de nous des personnes bizarres. Si on entend normal, quand Dieu te met au monde, quand Dieu t'envoie dans ce monde-là, c'est parce que tu es un champion. Voilà, Dieu n'a pas créé, n'est-ce pas, des gens qui sont bizarres, mais c'est le diable qui nous rend bizarres. Et c'est pour cela que la Bible de David dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu. Nous sommes en fin d'année. Comment tu prépares, n'est-ce pas, cette transition? Voilà. J'ai parlé le secret de la transition. Le secret. C'est le secret. Comment tu prépares cette nouvelle, cette transition? Voilà. Tout se prépare. Tout se prépare. Que ça soit... Vous voyez, quand un ministre prend, n'est-ce pas, un ministre qu'on a fait une autre personne à sa place, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle passation de service. On dit remaniement ministériel. Donc, on dit remaniement ministériel.
bon, monsieur le ministre, tant de tel truc, tu n'es plus à ton poste. Voilà, on a fait quelqu'un d'autre, un autre, merci, on te salue. Quelqu'un d'autre vient prendre ton poste. OK. Donc, lui, il prépare cette transition-là. C'est ce qu'on appelle passation de service. Voilà, donc, cette passation de service-là, c'est le monsieur-là qui vient et lui montre les dossiers. Il dit, bon, voilà, j'ai travaillé, n'est-ce pas? Voilà où je suis arrivé et voici mes projets. Donc, tiens, bonne continuation, tiens, continue. Voilà, donc, c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça. Et quand on veut se marier, effectivement, on prépare le mariage. On ne tombe pas dedans, on prépare le mariage, les cas d'invitation, on avertit des amis, les parents proches, tout ça, et on se prépare pour le mariage. Quand on veut aussi voyager, n'est-ce pas? On prépare le voyage, on fait la réservation et tout ça. D'abord la réservation, ce n'est pas KS où tu vas, monsieur, monsieur, je vais voyager, mais là, gagne-moi, monsieur, j'ai 2500, c'est 3000, pardon, tu peux diminuer. Non, avion, ce n'est pas faire de ça. Tu fais, voilà, et puis tu fais ta réservation. Là, ton billet, là, tu viens, on t'enregistre, tout ça. Donc, tout se prépare. Voilà. Maintenant, nous sommes à quelques temps de quelques jours de la nouvelle année. Peut-être que d'autres sont encore inconscients. Ils ne savent pas que nous sommes en train de rentrer en 2018. Peut-être qu'ils ne savent pas. Mais je vous informe que c'est une vérité. Nous sommes en train de laisser 2016 et nous sommes en train de rentrer en 2018. C'est ce qui est vrai. N'est-ce pas? Nous sommes en train de rentrer en 2018. Si tu es en train de rêver, c'est ton problème. Parce qu'il y a des gens, c'est des rêveurs. Ils aiment toujours rêver, voilà. Et puis le temps passe, ils ne s'en rendent pas compte. Le temps est en train de passer, ils ne s'en rendent pas compte. Voilà, donc si tu veux rêver, rêve. Nous, on voit, on est dans une réalité. Que tu rêves ou pas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de rentrer dans une réalité. Voilà, 2018, c'est dans quelques jours. Voilà, 2018, c'est dans quelques semaines. Voilà, c'est pas moins de 33 semaines. Nous serons en 2018. Comment toi, tu prépares la nouvelle année? That discussion, c'est la question qui est posée. Même Dieu même te pose cette question. Comment tu prépares, comment tu accueilles la nouvelle année 2018? Parce que nous sommes en 2017, oui. Oui, nous sommes en 2017, mais 2018, voilà, nous sommes en 2017 et 2018, c'est dans quelques semaines. Voilà, 2018, c'est dans quelques semaines. Nous sommes en 2017 et 2018, c'est dans quelques semaines. Comment tu prépares, n'est-ce pas, l'arrivée de 2018? On dit tel président va rendre visite à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Tel président, on a accueilli le président français, vous avez vu comment les gens l'ont accueilli, ils ont préparé l'arrivée du président, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tout se prépare. Toi, comment tu prépares accueillir 2018? Tu la prépares comment? D'autres sont là, ils sont en train de, n'est-ce pas, préparer, bon, dans tel, on dit il y a un nouveau bar, hein. Ce bar-là, c'est vraiment un bar très, bon, je réserve peut-être 4 bouteilles de Johnny Walker, 5 bouteilles de champagne, on va aller boire. Lui, c'est sa manière de préparer, d'enterrer 2017. Voilà, il va aller réserver les boissons dans tel bar, il va boire, il va se saouler. 2017, c'est comme ça chez lui, il faut qu'il boive un peu, il doit se saouler. Voilà, donc ils sont en train de checker, on va aller là-bas, on va aller voyager, je vais prendre tel go, je serai avec telle copine, il sera telle copine. Mais dans tout son projet, n'est-ce pas, il exclut Dieu du projet. Or, le temps appartient à Dieu. Dieu le maître des temps et des circonstances. Le temps appartient à Dieu. Le temps, même si tu ne crois pas que Dieu existe, ça c'est ton problème. Mais Dieu, c'est une réalité. Que tu veux ou pas, Dieu existe. Voilà, donc, chez eux, ils peuvent faire des choses sans Dieu. Et à leur grande surprise, ils sont surpris, et je ne sais pas pourquoi, du fait qu'ils rentrent dans une année, et puis c'est des séries de malédictions, des séries de malédictions, n'est-ce pas? Des séries, n'est-ce pas, de maladies. N'est-ce pas, divorce dans le foyer, n'est-ce pas, manque d'entente et tout ça. Et ils sont surpris, ah, cette année-là n'a pas été une bonne année pour moi, n'est-ce pas? Cette année n'a pas été une bonne année, je ne comprends pas pourquoi j'ai ce malheur et tout ça. Parce que tu n'as pas su accueillir l'année, parce que tu n'as pas préparé l'année, tu n'as pas su rentrer dans cette année. Vous allez me dire, mais c'est trop exagéré. Mais frère, il y a toujours le secret de la transition, que vous voulez ou pas. C'est ce secret-là, c'est cette manière-là de rentrer dans la chose qui te permet, n'est-ce pas, de posséder la chose. Or, la Bible nous dit, Dieu, pour sauver l'homme, il a failli un sacrifice, n'est-ce pas, du péché que nous étions, nous sommes justifiés à cause du sang de Jésus-Christ. Donc, il y a un acte que tu dois poser. Et l'acte que tu dois poser, c'est la manière dont tu dois, la manière de rentrer en 2018. La manière de rentrer en 2018.
Voilà. D'abord, dans un premier temps, 2017, sont en train de passer. Voilà, 2017. Certainement, on a dû faire des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Et ça, c'est vraiment très important. Sauf là que la transition, ce moment est très important parce qu'un homme conscient, il reçoit beaucoup de choses de la part de Dieu. Ce sont les inconscients, la Bible les appelle les hommes insensés. Voilà. Quelqu'un qui est inconscient, il se dit que la vie qui lui appartient, n'appartient pas. La vie qu'il a n'appartient pas à Dieu. Par exemple, quelqu'un qui veut. Je causais la dernière fois avec un jeune musulman. Il dit qu'il voulait faire une expérience. Il voulait mourir pour aller voir l'autre de là. Il dit, petit, tu es fort, hein? Tu as ce courage-là. Tu as une fois vu quelqu'un qui allait faire essayer de la mort parce qu'il avait un esprit suicidaire. Ouais. J'ai dit, c'est la sorcellerie, les sorciers. Ils veulent te mettre dans leur marmite. Ils veulent te manger. De toute façon, tu es là. Tu es bien dans Kep Gen. Voilà. De toute façon, ton bras est, ta tête est, tout ça là. C'est Kep Gen. Dans ce Kep Gen, il y a chou sur toi. Il y a carotte sur toi. C'est dans, toi, tu ressembles à ça. Toi, comment tu peux imaginer que tu dois aller, n'est-ce pas, d'abord voir dans l'au-delà et puis revenir pour dire l'au-delà, là, tu as eu bon Dieu, tu as eu Satan, tu as eu. Non, c'est une ruse. D'abord, si tu te donnes la mort, la vie que tu as ne t'appartient pas, tu viens de faire un crime. Donc, la vie qu'on a là ne nous appartient pas, appartient à Dieu. Donc, dans un premier temps, si tu te donnes la mort, mais tu es mal barré, tu te donnes la mort, tu vas tout droit en enfer comme un boulevard. Le diable t'accueille dans l'enfer, puisqu'il attend même des personnes pendant l'enfer. Pour dire en un mot, la vie que nous avons ne nous appartient pas. La chose que nous devons faire, c'est d'abord compter sur Dieu et lui remettre tous nos projets. Ok, donc cette année, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'à partir du 1er jusqu'à maintenant, du coup 10, nous sommes dans un moment de jeûne. Nous prions 10 jours, c'est-à-dire chaque 18 heures, on descend. On prie pour que d'abord Dieu nous pardonne. En tant qu'humains, nous avons dû faire des choses qui n'ont pas glorifié au nom du Seigneur. Nous avons, n'est-ce pas, peut-être frustré des gens dépend de nos comportements. Nous avons blessé le cœur des gens. Nous avons, n'est-ce pas, fait du mal aux gens, même à bon Dieu. Nous avons fait du mal à Dieu. Donc nous demandons pardon à Dieu durant ce moment-là pour lui dire, c'est vrai, en tant qu'humain, j'ai dû faire des choses qui ne t'ont pas glorifié durant l'année 2016, 17 plutôt, l'année 2017. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu durant l'année 2017. Vraiment, j'aimerais, Seigneur, aller encore plus bien avec toi, n'est-ce pas? Sur des nouvelles bases avec toi, aide-moi en tant qu'humain à, n'est-ce pas, être bien avec toi. Mais en même temps, 2018 arrive. Voilà, Seigneur, je te présente 2018. Il ne faut pas que 2018 ressemble, n'est-ce pas, à 2017. Voilà, donc, déjà, toute cette programmation du diable, n'est-ce pas, si ma vie soit déprogrammée. Il y a eu tel projet qui n'ont pas abouti. Parce que quand vous voulez rentrer dans une nouvelle année, d'abord, dans une première chose, il faut d'abord commencer. N'est-ce pas, à faire un projet, élaborer un projet. En 2018, j'aimerais que telle chose m'arrive. En 2018, j'aimerais faire tel projet, tel projet, tel projet. Moi, je sais un peu les projets que je cherche par rapport à 2018. Voilà, donc, c'est ça. Un homme qui n'a pas de vision est un homme qui est vraiment dangereux. Il ne faut même pas marcher à lui. Parce qu'un homme sait, il doit savoir où il est en train de partir. Voilà, je me lève le matin, je sais que dans 2 mois, 3 mois, voici ce que je veux avoir. Et je prie en fonction de ça. N'est-ce pas? J'ai pris en fonction de ça. Donc, ça, c'est très important. N'est-ce pas? Ça, c'est déjà très important. OK? Donc, comprenez que, n'est-ce pas? Si vous ne présentez pas vos projets au Seigneur, mais qui les concrétise? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui concrétise les projets. C'est lui qui bénit. La Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle nous fait suivi d'aucun chagrin. Amen. Elle nous fait suivi d'aucun chagrin. Donc, si vous. N'est-ce pas? Ne rentrez pas dans cette vision du Seigneur. Il sera difficile pour vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas de rentrer, n'est-ce pas, dans les grâces et n'est-ce pas dans les bénédictions du Seigneur. Donc, c'est vraiment important, n'est-ce pas? Ce que je suis en train de dire, c'est important pour vous, pour chacun d'entre nous, de comprendre que maintenant, là, il faut comprendre que je suis arrivé, je suis maintenant jusqu'à demi. Je suis le 5 décembre aujourd'hui. Je suis le 5 décembre, nous sommes au 5 décembre aujourd'hui. Attends, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2017? Voilà, depuis janvier, n'est-ce pas, il y a eu des projets. Qu'est-ce qui n'a pas marché? N'est-ce pas? Ok? Et pourquoi ça n'a pas marché? N'est-ce pas? Et c'est dans cette période-là que les gens font des audits, même si vous voulez, dans les différentes entreprises, des audits financiers, on essaie de voir un peu, voilà, tout ça. Donc, un homme doit réfléchir toujours. Parce que quand on ne prend pas le temps de réfléchir à notre vie, à savoir où on s'en va, avec qui on marche, donc on réfléchit, on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai marché avec qui exactement? Parce que là,
ta bénédiction aussi peut déterminer tes blocages, peut déterminer les gens avec qui tu marches. Parce que ce n'est pas avec tout le monde qu'on marche. Il y a des gens qui marchent avec vous et puis vous constatez que, mais ce monsieur-là, il fallait que je ne marche même pas avec lui, parce que, ou même cette soeur, ou même son frère. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont comme, n'est-ce pas, des Goliath, n'est-ce pas, comme des lots qui sont dans notre vie, qui ne sont pas utiles à notre vie, n'est-ce pas, qui viennent justement nous mélanger la vie. Donc, il faut poser la question. J'étais avec telle personne, est-ce que ça a marché? J'étais avec telle personne, est-ce que ça a marché? Je suis avec telle personne, est-ce que ma vie a avancé ou pas? Est-ce que nos relations, ça va ou pas? Et ça, c'est très important. Donc, tu réfléchis à ça, parce que nous sommes des humains. Voilà. Maintenant, il y a des personnes que tu dois exclure de ta vie. Que vous voulez ou pas, Dieu a dit à Lot, il a dit à Abraham. Il a dit à Abraham, il dit, c'est pas toi de Lot. Je t'envoie à Canaan. Je vais t'emmener à Canaan. Cet endroit-là, c'est coule le lait et le miel. Mais c'est intéressant. Quand le lait et le miel, quelque part, c'est intéressant, on aimerait envoyer tout le monde. On aimerait envoyer tel parent. Donc, le gars, il sort avec son neveu, il sort avec son parent et tout ça. Mais Dieu regarde, il dit, le monsieur là, il faut le laisser. Celui qu'on appelle Lot là, laisse-le. Laisse Lot. Sépare-toi de Lot. C'était difficile. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles vous devez vous séparer. Frère, nous sommes arrivés, c'est une compétition, frère. Où tu gagnes, où tu perds. Où tu gagnes, où tu perds. Non. Tu marches, tu combats avec qui? Qui est celui-là qui marche avec toi? Tu pars avec qui dans ce combat? Et qui est avec toi dans ce combat? Ça, c'est vraiment très important. Donc, tu dois réfléchir. Il y a des personnes qui doivent quitter ta vie, impérativement ta vie. Voilà. Parce que la vie, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un jeu. Ouais, ce n'est pas un jeu où on vient, on mange, on va à Garbadron, on mange, tout ça. Ayez le discernement. Moi, j'ai toujours dit, quand quelqu'un n'est pas prêt pour moi, il est mon ennemi. Moi, j'ai toujours dit, c'est-à-dire, j'ai compris plus tard que l'homme même, l'être humain, il est hypocrite. L'homme même, là, il est hypocrite. Il fait semblant d'être avec des gens. En réalité, il n'est pas avec lui. Il est là pour quelque chose. N'est-ce pas? Moi, tu ne m'apportes rien sur le plan spirituel. Et je constate que tu t'attends plus avec ceux qui me dénigrent, avec ceux qui... Voilà. Et puis, ta manière de faire ne prouve pas que tu es avec moi. Je me sépare de toi. Point et barre. Et ça, ça m'a toujours aidé. Au départ, vous voyez... On accepte tout le monde dans nos vies. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit accepter dans sa vie. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit accepter dans sa vie. Tu marches avec qui? Ce n'est pas tout le monde qu'on doit accepter dans sa vie. C'est parce que vous acceptez tout le monde que toute chose vous arrive. Donc Dieu a dit, ce monsieur qu'on appelle Lot, là, c'est vrai, c'est ton parent. Hein? Lot, c'est ton parent. Mais quitte-le. C'est pas neble dans ta vie. Il n'a qu'à quitter ta vie. Mais ça avait beaucoup de pleurs, regrets que Abraham a pu se séparer de Lot. Quand Abraham s'est séparé de Lot, c'est là Abraham a vu le territoire. Dieu dit, je te donne ce territoire à toi et à ta descendance. Il y a des personnes, tant qu'elles seront encore dans ta vie, tu ne verras jamais le bout du tunnel. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Donc ces personnes-là même, pendant des années, tu les as toujours trimballées dans ta vie. Tu les trimballes. Moi, peu importe, que ça soit mon père, que ça soit ma mère, que ça soit mon frère, que ça soit mon truc. Jésus a dit, la volonté de Dieu... N'est-ce pas, mes parents, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Qui marchent selon la volonté de Dieu. Où sont mes pères? Où sont mes mères? Mes mères et mes pères sont ceux qui font la volonté de Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu, qui marchent selon la justice de Dieu. Donc, si un frère ne t'aide pas à rentrer dans la gloire de Dieu, ce n'est pas un péché de te séparer. Parce que lui-même, Dieu dit, le Seigneur lui-même dit, si toi, tu n'es ni chaud ni froid, lui-même qui a dit, ce n'est pas nous qui l'avons appelé, nous qui l'avons, c'est lui qui nous a appelé, celui qui nous a choisi. Il a dit même quand tu marches avec lui, le Seigneur dit quand tu marches avec lui, si tu marches avec lui, Jésus-Christ, et que tu n'es ni chaud ni froid, c'est-à-dire tu n'es pas prêt pour lui, tu ne t'engages pas dans les choses le concernant, tu es tiède, et quand tu es dans les choses de Dieu, tu es tiède, tu n'es pas zélé, tu ne peux pas, il se sépare de toi. Il dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Dieu même lui dit ça, Jésus même dit ça, d'Apocalypse. Voilà, il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche, je te vomis, je te renie. Tu ne fais plus partie des enfants, mes enfants spirituels. Non, c'est fini. Je t'exclus du livre de vie. Donc, il y a des personnes, en 2017, point, fais ton bilan, il y a des personnes qui t'ont mis en retard dans beaucoup de choses, qui t'ont mis en retard dans beaucoup de choses. Il faut commencer déjà à énumérer ces personnes. Et puis, ce n'est pas facile parce que la séparation, c'est difficile. Et puis, dis, est-ce que la personne peut vraiment faire mon affaire? Parce que c'est ça, hein? Une connexion, c'est ça. Tant que d'autres personnes seront dans ta vie, il sera difficile.
Ça, ce n'est pas un péché, frère. Jésus même dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Vous comprenez? Alors donc, il y a des personnes que vous devez exclure de votre vie et pour que Dieu fasse entrer d'autres personnes. Parce que c'est ça, la rencontre. Tant que d'autres seront là, d'autres ne viendront pas dans votre vie. Donc, il y a des choses que vous devez comprendre. Vous devez mûrir, vous devez grandir. La vie, c'est pas de l'amusement. La vie, c'est pas du jeu. Il faut mûrir, il faut comprendre qu'à un moment donné de la vie, l'amusement n'a plus sa place. Là où tu es arrivé, l'amusement n'a plus sa place. C'est une question de destinée. Est-ce que l'âge que j'ai, en réalité, c'est là où je dois rentrer dans mon foyer? Beaucoup de personnes se marient. Moi, je n'arrive pas à me marier. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me marier? Donc, tu commences à régler certaines choses, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas, n'est-ce pas, à rentrer dans certaines grâces, dans certaines bénédictions? Tu commences à régler certaines choses. Après avoir réglé certaines choses, tu verras, parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu dois te séparer. Il y a des péchés que tu dois abandonner. Il y a des vies, il y a des vices qu'on doit forcément abandonner. Parce que tant qu'on n'abandonne pas ça, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Comme je disais, Abraham s'est séparé, n'est-ce pas, Abraham s'est séparé, n'est-ce pas, de Lot. Et quand Abraham s'est séparé de Lot, où il allait dormir, il allait vivre dans un village des Pédés. Voilà, il allait à Sodome et Gomorre. Voilà, il allait à Sodome et Gomorre, c'est là-bas qu'il vivait, n'est-ce pas? Voilà, donc, cela prouve qu'eux-mêmes, là, ils voulaient même coucher avec les anges. Ils ont dit, mais les anges, Lot m'a dit, pardon, mes filles sont vierges, je te donne mes filles. Ils disent, non, ils veulent mettre les anges. Ouais, un village où les gens veulent coucher avec les anges. Vous comprenez? Un village, les anges, les saints anges, n'est-ce pas? Ils veulent les sodomiser. Il veut les péder, il veut coucher les anges. Bon, je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un, nous, quelque chose, mais je peux vous dire, regardez la vie de celui avec qui l'autre s'est séparé. Il s'est retrouvé dans le village des péder. Il était à l'aise là-bas. Quand les anges sont venus le sauver, le gamin voulait coucher, les habitants voulaient coucher avec les anges. Ils sont venus à la porte de Lot. Vous comprenez? Ça veut dire que Lot, là, il fallait qu'il se sépare de lui. Tu es une soeur, tu es un frère. Dans ta vie, quel est le comportement vis-à-vis de toi? Ouvrez les yeux. Moi, j'ai toujours dit ma prière, je veux savoir celui avec qui je marche, qui il est réellement. Vous allez voir que dans leur comportement, dans leur manière de faire chaque jour, Dieu va vous montrer réellement leur intention vis-à-vis de vous. Parce que quand l'homme t'approche, d'abord, il fait semblant d'être avec toi, mais le cœur est loin. D'abord, quand il va commencer à te voir en train de prospérer, la jalousie va commencer à naître. L'estime qu'il avait pour toi va commencer à diminuer. Parce que quand quelqu'un t'aime sans jalousie, d'une manière sincère, tu vas comprendre que la personne, n'est-ce pas, peu importe ce que tu fais, mais la personne te félicite toujours, t'encourage. Le jour où elle ne va plus commencer à t'encourager, elle va commencer à être disant vers toi. Ça veut dire que la sorcellerie a commencé à posséder son cœur. Parce que la sorcellerie vient là où il y a la jalousie. Voilà. C'est quand Saül est devenu, il a eu la jalousie, il a commencé à jalouser David, que la sorcellerie est rentrée dans son cœur. Il a voulu détruire. Donc, moi, je vous dis des choses qui sont vraies. C'est peut-être des choses qu'on ne vous dit pas. Voilà. Aimez vos ennemis. Un ennemi, moi, j'aime marcher à celui qui m'apporte quelque chose. Je prie pour les gens, pour que les gens soient sauvés. Mais celui qui n'est pas prêt pour moi, je ne marche pas à lui. Je marche à celui qui peut m'aider. Voilà. Je marche à celui qui peut m'aider. Voilà. C'est pour ça que la Bible nous parle de la prudence. Soyez prudents. Bien sûr qu'on est humble, mais d'être prudent. Voilà, la prudence dans l'élan de sa destinée, Chaque jour, quand tu poses un pied, il faut réfléchir, n'est-ce pas, pour voir est-ce que ce monsieur ou même cette sœur qui pense être avec moi, est-ce qu'elle est vraiment à 100% avec moi? S'il n'est pas à 100% avec moi, elle va me vendre, comme Judas a vendu Jésus, n'est-ce pas? Judas a vendu Jésus. Il savait très bien, mais il a négligé la chose, mais ça est arrivé. Voilà, quand vous négligez les choses vont arriver. Donc, il faut réfléchir. Réellement, est-ce que tu as envie de réussir? Réellement, est-ce que tu aimerais que les choses se passent bien? Si oui, il faut commencer maintenant à régler certaines choses. N'est-ce pas? Il faut commencer à voir certaines choses dans ta vie. N'est-ce pas? À commencer à mettre fin à certaines choses dans ta vie. N'est-ce pas? À commencer à mettre certaines choses dans ta vie pour rentrer, n'est-ce pas, pleinement dans la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Certaines choses dans ta vie, il faut commencer à te séparer des gens qui te conduisent toujours dans les bars. Parce que la vie n'est pas dans les bars. Non, la vie n'est pas dans les bars. C'est vrai, la vie que nous menons, il y a une vie du monde et il y a une vie, nous sommes dans un royaume. Et c'est le royaume de Dieu.
Voilà, c'est le royaume de Dieu. Bien que nous soyons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà, nous ne sommes pas du monde. Donc, si tu veux plaire au monde, c'est comme moi, un jour, je priais parce que j'ai dit, mais pourquoi les gens m'attaquent si tant? Et puis, j'ai parlé au Seigneur, il a dit, mais attends, c'est parce que tu n'es pas du monde. Si tu étais du monde, les gens n'allaient pas t'attaquer. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit, montre-moi un verset biblique où j'ai dit, dans le verset biblique, quand tu as me servi, les gens vont t'acclamer. Est-ce que moi-même, les gens m'ont acclamé? Est-ce que moi-même, j'ai été aimé des gens? Non. Au contraire, quand tu marches avec Dieu, tu dois te séparer. Quand le monde ne va plus t'aimer, le monde va t'haïr. Voilà. Et c'est ça la croix. Donc, en réalité, quels sont les gens qui te mettent sur le droit chemin? Et quand c'est surtout les gens qui t'amènent vers Dieu. Sinon, si tu constates que depuis un moment, c'est vrai qu'il est gentil, il te donne les trucs, mais la personne ne t'a jamais amené. Quand tu parles d'affaires de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Quand tu parles d'affaires de Jésus-Christ, ça ne l'intéresse pas. Mais la personne, peut-être, tu penses être gentille, ok? Mais les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Les choses de Dieu, il faut commencer à te méfier de cette personne. Moi, c'est vrai, mais il faut commencer. Méfiez-vous des gens qui vous fréquentent. Leur fréquentation, ça peut être une fréquentation satanique. Ils sont là juste pour quelque chose, mais ils ont un objectif, c'est de te renverser. Voilà, c'est pour cela qu'il faut être très prudent. Voilà, moi je ne suis pas là, je ne suis pas dans les sentiments, je suis amour, mais je ne suis pas dans les sentiments. Quand je vois j'ai des gens bizarres, je coupe avec toi et c'est fini. Point et barre. Parce que ma vie, frère, moi j'ai dit toujours, j'ai été une fois empoisonné dans une église. On m'a invité dans une église, faire délivrance, tout ça. La diagonale de l'église m'a une fois empoisonné. Donc, c'est le manque de prudence qui vous empêche, n'est-ce pas, de rentrer dans la gloire de Dieu. Je n'ai fait confiance à personne, j'ai fait confiance à Dieu. Je peux te faire confiance à 50%, ok? Mais les 50 autres pourcents, c'est toi qui me l'amène, tranquillement. Donc, quand je suis avec toi, je suis un peu prudent. Donc, c'est ça. Soyez prudent. Voilà. Il faut marcher à celui qui peut te faire avancer. Arrêtez vos comédies. Jésus même dit, si tu ne me fais pas avancer, si tu n'es ni chaud ni froid, si toi, tu ne fais pas avancer le royaume, tu ne fais pas avancer le royaume. Quand, depuis que j'ai compris qu'il faut me séparer de certaines personnes, depuis que j'ai compris, mais j'avance. Frère, j'avance. Attends, j'avance, il faut avancer. Je ne suis pas là pour que quelqu'un me trimballe, tire par la queue. Non, j'avance. Attends, si c'est toi, attends, la Bible même dit, si ton bras est gauche et pourtant une occasion de chute, il faut couper ça. Jésus, mais attends, la parole de Jésus, c'est qui est plus amour que Jésus? Qui a une fois donné sa vie par rapport aux pécheurs? C'est Jésus. Mais Jésus même lui-même dit, si ton bras gauche t'accorde toujours la chute, ton bras, quelqu'un qui est à côté, que tu penses que c'est ta famille, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta mère, c'est ton parent. Et toujours ton problème vient de là. Toujours ton problème. Mais il faut couper. Tu as quel problème? Il faut couper. Si ton bras gauche est pourtant une occasion de chute, il faut couper. Donc, c'est un nettoyage complet qu'on doit faire dans notre entourage. N'est-ce pas? Nettoyage complet fait dans votre entourage. Frère, nettoyage complet. Il y a des gens qui sont méchants. Vous voyez dans leur comportement la méchanceté. Vous voyez dans leur comportement, n'est-ce pas, la haine, parce qu'ils vous voient avancer. Vous voyez dans leur comportement, n'est-ce pas, le manque de vérité, le manque de sincérité. Couper avec cette personne parce qu'elle n'a plus la position qu'elle avait avant. C'est ça qu'il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Il ne faut pas dire, ah non, c'est mon parent, c'est ma soeur, c'est mon frère. Frère, c'est seul la mère qui mange. Celui qui va te manger, c'est ton frère, c'est ta soeur. La sorcellerie, elle est d'abord familiale. C'est dans ta famille, ça va commencer. Ça ne commencera pas ailleurs. Ça va commencer dans ta famille. On dit, la Bible déclare que vous aurez pour ennemis les hommes de votre maison. Je ne vous révolte pas contre les parents. Non. Il y a des parents gentils. Il y a des gens qui sont gentils. Moi, il y a des parents à lesquels je m'entends. Oui, je m'entends. Dieu nous a appelés à être en paix avec tout le monde. Je vous parle d'être prudent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vous fréquente, qui sont forcément avec vous à 100%. Voilà, donc, je vous parle même de Jésus même qui nous donne cette parole. Jésus même qui nous donne cette parole. Que si ton bras gauche est pour toi une occasion de chute, il faut couper. Si le monsieur doit toujours venir pour qu'il t'envoie dans les bars, et la soeur doit t'envoyer dans les bars, quand vous vous réunissez en compagnie des moqueurs, des pécheurs, mais attends, éloignez-vous, n'est-ce pas? Éloignez-vous de ça. Donc, regardez, pour le bilan, vous prenez le psaume 112, n'est-ce pas? Ça, c'est un premier pas d'abord. Nous prenons le psaume 112 pour comprendre certaines choses. Le psaume 112. Le psaume 112, j'ai fait la lecture, on dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un plaisir, un grand plaisir en ses commandements. Heureux l'homme qui craint l'Éternel
et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Le verset 2, sa prospérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Le verset 3, il y a de la maison, il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subisse à jamais. Vous comprenez? Le verset 4, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour ceux qui sont miséricordieux, compatissants et justes. Le verset 5, heureux l'homme qui exerce les miséricordes et qui prête, qui règne ses actions d'après la justice. Le verset 6, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Le verset 7, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Selon son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'y a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il se mette en son plaisir à regarder ses adversaires. Le verset 9, il fait de l'allégresse, il donne aux indigents. Sa justice subisse à jamais et sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il graisse des dents, il se consume et les désirs des méchants périssent. Amen. Donc, quand vous regardez, n'est-ce pas, quand vous lisez le passage de Psaume, le chapitre 12, ça peut vous amener à faire un bilan de votre vie. On dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir en ses commandements. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Est-ce que toi, durant l'année 2012, tu crains l'Éternel? Quand tu es seul, parce qu'on dit craindre l'Éternel, c'est quand tu es seul, face où il n'y a personne qui peut, n'est-ce pas, pour dire, toi là. Quand ta femme n'est pas là, quand ton mari n'est pas là. On dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve son plaisir en ses commandements. Est-ce que tu as une fois lu la Bible? Est-ce que tu prends la peine de lire la parole de Dieu? Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve plaisir en ses commandements. Est-ce que tu le fais? Regardez, voici ce qui Dieu apporte à celui qui craint l'Éternel. On dit ici, on dit sa postérité sera puissante sur la terre. Tu veux être puissant sur la terre, il faut que tu crains l'Éternel. Si tu veux être puissant sur la terre, si tu veux que tes ennemis mordent la poussière, crains l'Éternel. Si tu veux que, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, tu veux dominer dans ton entreprise, n'est-ce pas, là où tu es, tu veux régner là où tu es, il faut que tu crains l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel apporte beaucoup de choses. Dieu va dire, n'est-ce pas, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, il dit, je vous donne un commandement. Celui qui obéit à ce commandement, il sera élevé, n'est-ce pas? Donc, la crainte de l'Éternel apporte la domination. La crainte de l'Éternel apporte, n'est-ce pas, la prospérité. Dans le chapitre 12, le psaume 112, ici on nous dit, n'est-ce pas, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un plaisir en ses commandements. Est-ce que toi, tu trouves le plaisir en commandement de Dieu? Là, parce que les gens, eux, ils s'en foutent des commandements de Dieu. Ils ne trouvent pas un plaisir. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font plus ce que Dieu veut. Ils font ce qu'ils veulent. On dit, heureux, n'est-ce pas, celui qui trouve un plaisir. On dit, qui trouve un plaisir en ses commandements. Chez lui, avant de prendre une décision, qu'est-ce que la Bible dit? Ce qui m'arrive là, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Avant de faire quelque chose, qu'est-ce que la Bible dit? Il trouve un plaisir. C'est-à-dire, il est content. Il n'exclut pas ça. Mais il fait de ça un appui. Il s'appuie sur la parole de Dieu pour agir. Il y en a combien? La Bible dit, le verset 2, sa prospérité sera puissante sur ta terre. Non seulement quand tu seras puissant, c'est-à-dire Dieu, il va te donner une onction de telle sorte que tous ceux qui se liguent contre toi tombent. Il va te donner une onction terrible, de sorte que tu aies, n'est-ce pas, la puissance financière. Ça, c'est important. Parce que le pouvoir, c'est ça aussi, l'argent. Hein? L'argent est dedans dans le pouvoir. L'argent, la puissance financière. Il va te bénir financièrement. Il va te bénir sur tous les plans. À point que les gens, ça n'empêchera pas les gens de se liguer contre toi. Tu as un problème aujourd'hui parce que tu ne prends pas plaisir au commandement de Dieu. Les choses de Dieu ne te disent rien. Tu passes tout ton temps devant la télévision. Tu passes tout ton temps des choses inutiles. Tu ne cherches pas à regarder, à chercher les choses concernant Dieu. Ah ouais, on dit plaisir. C'est-à-dire, lui, son plaisir, il est content. Il y a d'autres, c'est quand il va à la télévision. Il y a d'autres, c'est quand ils fréquentent des gens. Ils vont dans les maquis. Ils cherchent les femmes des gens. Et tout ça, ils sont contents. On dit plaisir au commandement de Dieu. On dit sa prospérité sera puissante. Frère, elle sera puissante sur la terre. Puissante sur la terre. On dit, il y a dans sa maison bien-être et richesse. Vous comprenez? Très bien. On dit, dans ta maison, là, il y a bien-être. C'est-à-dire, il y a la paix, il y a l'harmonie. Frère, quand tu cherches Dieu véritablement, Dieu prend le sang
de régler tout ce qui est à côté de toi. S'il y avait un souci quelconque, Dieu t'enlève ce souci-là. On dit bien-être. Il crée un bien-être dans ta maison, l'atmosphère de paix. C'est vrai que dans un foyer, j'ai toujours dit, je viens de poster quelque chose dans un foyer. Dans un foyer, c'est vrai, même si on aime quelqu'un de sa vie, dans un foyer, on ne trouvera pas un foyer parfait, parfait, parfait. Mais on peut avoir un foyer parfait, si on le veut. Voilà. Si on le veut, on peut. Par nos comportements, par notre manière, on peut déjà régler nos problèmes de foyer et peut savoir marcher, n'est-ce pas? Mais on dit celui qui craint l'Éternel a un bien-être, c'est-à-dire bien-être dans sa maison. On dit ici, et il y a dans sa maison bien-être et richesse. Il y a la richesse. Il y a bien-être et la richesse. Donc, tu vois, dans la maison de celui-là qui craint l'Éternel, il y a bien-être, il y a la paix que Dieu instaure autour de toi, dans ton entourage, il met la paix et puis la richesse. Parce que sans les moyens, il y a problème. Donc, Dieu prend le temps de régler ce problème-là. Le bien-être, n'est-ce pas? Il crée l'atmosphère de paix. Il crée, n'est-ce pas? Il peut permettre que tu aies la moyenne nécessaire pour régler tes factures. Il permet de telle sorte que tu ne sois pas toujours emmerdé que les gens de ta mère et que tu donnes du travail et que tu sois à l'aise. Mais si seulement tu prends le temps de t'attacher à la parole de Dieu. Vous comprenez? Il dit, il a dans sa maison richesse et bien-être et sa justice subit à jamais. Donc Dieu te donne toujours raison dans les combats. Quand tu en as un procès, tu as toujours... Parce qu'il faut éviter la corruption. Il faut éviter de rentrer dans les choses bizarres. Et il dit, sa justice subit à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. C'est-à-dire, quand il y a l'injustice, quand les choses bizarres, toi, tu es toujours à l'abri de tout ça. Parce que tu es un homme droit. Droit parce que, pas parce que tu es parfait, parfait. Non, droit parce que tu t'appuies sur Dieu et ses commandements. Vous comprenez? Tu t'appuies sur Dieu et ses commandements. On dit le verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Ça dit quoi? L'homme qui aide. L'homme qui apporte son soutien. L'homme qui aide. Moi, depuis que j'ai compris ça, je vais toujours aider. On dit, heureux l'homme qui a miséricorde et qui prête et qui règle ses actions après la justice. Oui. L'homme qui apporte, qui aide, qui est toujours en train d'apporter des actions, accorder la miséricorde, qui apporte, qui soutient. Je me souviens que Dieu me disait un jour, c'est pas le vrai don, c'est pas parce que tu es prophète crasso. Le vrai don, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le partage. Voilà. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas partager. Leur argent pour voir, mais c'est difficile. On dit exercer la miséricorde. Il faut avoir l'action. Il faut commencer à poser. Un homme comme ça, vous voyez, on dit, il ne chancelle jamais. On dit un monsieur comme ça, tu ne manques pas. Les gens s'étonnent. C'est pas parce que le prophète crasso a l'argent. J'ai pas l'argent. Mais j'aime partager. C'est qui j'ai là. Quand vous voyez, vous apprenez à donner aux gens, vous apprenez à soutenir les gens, vous allez vous dire, car ils ne chancellent jamais. Parce que quand tu donnes un pauvre, tu prêtes à l'Éternel. Nous dit le livre des Proverbes. Quand tu donnes un pauvre, tu prêtes à l'Éternel. La plupart des gens qui veulent, vous voulez prenez votre argent, bouffer ça, ouais, ne faites rien. Vous allez voir, vous allez plus vous endetter, vous allez avoir des problèmes. Mais quand tu vas commencer à donner aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, tu vas commencer à soutenir les gens qui sont dans les besoins, qui ont des difficultés. Quand tu vas commencer à les soutenir, tu es en train de prêter à l'Éternel. Ouais. Quand tu seras dans les difficultés, Dieu lui-même sera dans l'obligation de te ramener ce que tu lui as prêté. Tu vois? Vous voyez? Dieu t'aura oublié de ramener ce que tu lui as prêté. On dit que la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises choses, les mauvaises nouvelles. On dit qu'il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Les gens ont peur des mauvaises nouvelles. On dit la mémoire, le juste, il ne craint pas la mauvaise nouvelle. Pourquoi? Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Parce qu'il est droit, il marche selon la parole de Dieu et la confiance. Pourquoi toi, quand il y a une mauvaise nouvelle qui vient, tu as peur, tu crains? On dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Je vous lis tout le chapitre de Psaume 12, le Psaume 12, hein, tout le chapitre. Nous sommes au verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Que tu veux nous voir, on va te chasser du travail, ils vont t'arracher ton passeport, ils vont t'arracher tes papiers, tu vois pas, ça c'est les mauvaises nouvelles. Ne crains pas pour celui qui est droit devant Dieu, qui est un homme qui a confiance au Seigneur, il ne craint pas tout ça. Parlez au c'est zéro. On dit son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Vous comprenez? Son cœur est affermi, il n'y a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir en regarder ses adversaires. Donc, lui, il regarde. Il met son plaisir à regarder ses adversaires. Dieu, il regarde. Parce que la confiance au Seigneur, il regarde ses adversaires. On dit jusqu'à ce que... Et le verset 9, on dit,
Il fait des allégresses, il est content parce qu'il chante tout ce qui lui arrive. Moi, quand j'ai un problème, difficulté, c'est là, il chante la gozia ziliwawo. La gozia ziliwawo. Embêté, ça dit Dieu est plus grand que toutes les situations que je traverse maintenant. Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus grand que ce qui est vie. Dieu est plus grand que ce que je suis en train de vivre. Dieu est plus fort que tout ça. La gozia ziliwawo. La gozia ziliwawo. J'ai dit Dieu est plus grand que ça soit. Ce que je suis en train de voir, que ça sache ce que je suis en train d'entendre, Dieu est plus fort et grand que tout ça. Voilà, Dieu est plus fort et grand que tout ça. Voilà, en même temps, on dit dans l'allégresse, on dit, il donne aux indigents et sa justice subit à jamais. On dit encore, il revient encore, il donne aux indigents, c'est-à-dire les gens qui sont malheureux, pauvres, ce monsieur-là, il donne. Parce que je vous ai toujours dit, Dieu m'a dit, l'amour, Dieu c'est le partage, Dieu c'est l'amour. Et quand on dit amour, c'est partage. Voilà, donc quand un monsieur partage, il est de Dieu, on dit, ça subit à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Ouais, quand vous êtes au service de Dieu, la tête, Dieu mettra, élèvera votre tête. On dit, sa tête s'élève avec gloire. N'est-ce pas? Sa tête s'élève avec gloire. On dit, le méchant, le verset 10, le méchant le voit et s'irrite. Le méchant le voit et se fâche. Parce que le méchant prospère, sa tête s'élève avec gloire. Voilà, moi je vais aux États-Unis. Et je pars à New York, je m'en vais et je suis dans la plus grande institution. Je ne sais pas comment Dieu, il me suis retrouvé là-bas. Pendant que les gens m'insultaient ici, il est comme ça, il est comme ça. Dieu élève ma tête. C'est-à-dire Dieu m'élève. Pendant que, je ne sais pas, les agents du diable sont en train de m'insulter sur les réseaux sociaux, me traiter de n'importe quoi pour quelque rasseur comme ça, il est comme ça. C'est en ce moment-là que Dieu lui-même, à cette période bien précise, Dieu m'élève au sommet du monde entier. Il me fait rentrer dans la plus grande institution du monde pour dire, toi, tu es maintenant un agent de développement. Vous comprenez? Et Dieu me crée encore des connexions, des personnes gentilles, des personnes bien. Franchement, je ne cesserai de dire merci à Afrique Vision, à monsieur et madame Dosso, ces personnes qui se sont vraiment battues, que Dieu a mis là pour vraiment me soutenir. Je dis merci aussi à tous mes enfants spirituels. Et sans oublier aussi Honorine Osso depuis, n'est-ce pas, Baltimore. J'ai dit shalom à Honorine Osso depuis Baltimore. J'ai dit aussi merci aussi à la Laurence de New York. J'ai dit à Dougrou de New York. J'ai dit aussi shalom aussi, n'est-ce pas, à ma fille de Dallas, Béatrice de Dallas. Voilà donc toutes ces personnes-là qui m'ont aussi soutenu dans les moments les plus difficiles. Et Dieu m'a mené la plus grande institution. On dit le méchant le voit et s'irrite. C'est-à-dire, eux, ils préparent des choses. Ils t'insultent. Ils veulent que tu sois bizarre. Après le grand surprise, tu es là, au sommet des grands, tu es là. Lui, il est surpris. Il est vraiment surpris de te voir. Dieu confirme que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des conneries. Frère, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Que tu veux ou pas, il y a des gens là, ils sont en train de regarder. Et ils mijotent les choses. Ils veulent ta chute. Mais comme tu as appuyé sur Dieu, comme tu as assis sur le Seigneur, ils ne pourront rien contre toi. Dis Amen. Je vais voir les gens en train de dire Amen. Dis Amen à cette parole. Si, n'est-ce pas, tu as appuyé sur Dieu, dites Amen. Dites Amen à cette parole. Parce que cette parole-là te concerne. Tu es concerné par cette parole. Il y a des gens dans le secret qui veulent ta chute, qui ne veulent pas ton mariage, qui ne veulent pas ta prospérité, qui ne veulent pas te voir avancer. N'est-ce pas? Dieu va t'élever au-dessus d'eux. Il va t'élever, n'est-ce pas? Et il élèvera sa tête avec gloire. Il élèvera ta tête. Dis Amen. Pendant que tu regardes cette vidéo, tu dis Amen. Pendant que tu regardes cette vidéo, tu dis Amen. Et une onction vient sur toi parce que Dieu élèvera ta tête avec gloire. Avec gloire. Frère, Dieu est le Dieu de justice. C'est cela qu'il faut s'attacher au Seigneur. La fin du verset 10, il dit, il graisse des dents et se consume. Et les désirs des méchants périssent. C'est-à-dire, ils graissent les dents, mais c'est eux-mêmes qui vont périr. Tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de manigancer contre ton projet, contre ta vie, contre ta destinée, ils périront. Mais, n'oublie pas une chose, reviens sur le passage, le verset, attends pour moi, le passage de Psaume, le verset 1, on dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir en ses commandements. C'est là le centre de tout ce chapitre, c'est le centre de tout ce chapitre. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve son plaisir, on dit heureux l'homme qui craint l'Éternel, n'est-ce pas? Et qui trouve son plaisir à ses commandements. J'ai toujours dit aux gens, si vous voulez jouer à votre vie, vous allez perdre votre mariage. Si vous jouez avec l'homme avec lequel vous êtes, vous allez perdre. Si vous voulez jouer avec certaines choses, vous allez perdre. Il faut craindre l'Éternel. Toi, tu dois craindre Dieu. Tu dois rester en train de craindre Dieu. Tu dois rester dans le secret en train de craindre Dieu. Dieu s'en chargera le reste.
Les larmes, là, c'est vrai, mais Dieu s'en charge. Dieu prend le temps de te justifier. Dieu prend le temps de régler certaines choses, frère. Mais n'oublie pas une seule chose, il faut aussi exercer la miséricorde. Donc, c'est le bilan. Quand nous regardons ça, est-ce que pendant cette période-là, est-ce qu'on est resté dans une position de crainte de l'Éternel? Tu es toujours en train de tourner en rond. On regarde 2017, rien n'a bougé dans ta vie. Au contraire, il y a eu beaucoup de vilaines choses, mauvaises choses. Les choses se sont détruites dans ta vie. Rien n'a avancé. Ouais, il faut que les choses avancent. Il faut que les gens s'avancent. Amen. Il faut que les choses avancent. Voilà, donc, après ce bilan-là, n'est-ce pas, nous devons maintenant penser, n'est-ce pas, à cette transition. Ça, c'est vraiment très important. Nous allons où maintenant? Ça dit quoi? Nous quittons une année et nous partons dans une nouvelle année. Écoutez bien la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel. Prenez 1 Samuel, nous allons maintenant toucher la transition. 1 Samuel, le chapitre 20. À partir du verset 1. 1 Samuel 20, à partir du verset 1. David s'enfuit en Najoth près de Ramba. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quels sont mes péchés aux yeux de ton père pour qu'il veille à ma vie, veuille me tuer, par exemple? » Le verset 12, Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras point. » Jonathan dit, « Tu ne mourras pas. Mon père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'informer. Pourquoi donc mon père me cacherait cela ?» David dit encore, en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il ne te dira pas. » N'est-ce pas? Maintenant, regardez Jonathan. Jonathan dit à David, « Je ne ferai point ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune. Voilà, au fur et à mesure, je vais toucher un passage qui va vous toucher. » On dit, voilà. Donc, Jonathan rencontre David. Et c'est Jonathan que Dieu avait, quand on dit l'Éternel traite Jonathan dans toutes ses rigueurs. Voilà. Non, le verset 16 plutôt, on dit Jonathan fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance à tes ennemis, David. Jonathan protesta contre auprès de David. Donc Jonathan, il a fait une alliance. Jonathan fait une alliance avec David. Jonathan, son père, était Saül. Et c'est lui qui était, n'est-ce pas, le prince. Comme son père a vu la faveur de Dieu sur la vie de David, il cherchait à tuer David. Alors, David a fui. Il a expliqué ça à Jonathan. Jonathan dit, mais c'est vrai. Mon père, je sais que mon père ne fera rien de quelque chose sans qu'il m'ait informé. Jonathan dit, ici. David, ici. Et donc, Jonathan, du coup, il a aimé David. Donc, en temps normal, la royauté, c'est le prince qui prend le trône. Et donc, Jonathan a compris qu'il fallait introniser David. Parce que c'est vrai que lui, le prince, mais la royauté appartient à David. Donc, il a décidé, n'est-ce pas, de prendre sa ceinture, son arc. Il a donné arc et la ceinture à David. Ça veut dire passation de service, passation du trône. Il a dit, tiens, il a donné ça à David, tiens, n'est-ce pas? Et depuis lors, les choses ont changé de camp. Et c'est pour cela que, n'est-ce pas, David était bien sûr appelé à la royauté, qui a quitté la maison de son père, n'est-ce pas, Isaïe, et qui était appelé à la royauté. Mais il fallait faire quelque chose. C'est cette action-là qui a intronisé, qui a mené David, n'est-ce pas, sur le trône d'Israël. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Quelle action as-tu posée, ou bien du moins tu es en train de poser, qui va avoir un impact sur 2018? Parce que nous sommes en train de rentrer en 2018. Il faut une action que tu poses. Il faut poser une action. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle, quand on fait passation de service, il y a ce qu'on appelle cahier des charges, je ne sais pas. On signe dedans, puis on remet ça à l'autre. 2018, n'est-ce pas? 2017, en train de veut remettre le cahier là en 2018. Et c'est, dans ce cahier là, il y a beaucoup de malédictions. Et ça peut une continuité. Ce que tu dois maintenant faire par rapport à cette transition, le secret, c'est dans le jeûne. Si tu n'as pas encore fait les 10 jours, il faut commencer à le faire. Si maintenant tu viens d'apprendre l'information qu'il faut 10 jours
pour les moments de transition spirituelle, il faut commencer à faire ça. Commence aujourd'hui, ou un demain. Mais il faut faire les 10 jours. Avant le 31. Fais les 10 jours avant le 31. Ça, c'est vraiment très important. Vous coupez tous les 18 heures. Pour que 2018 ne ressemble pas à 2017. Ah, pendant cette prière-là, vous annulez maintenant, après l'avoir confessé, demandez au Seigneur de vous rendre fort, pour ne pas que les péchés, parce qu'en même temps, il faut demander au Seigneur, je vais abandonner telle chose, parce que je sais que ça ne te plaît pas, ça ne t'honore pas, je veux que ma vie soit règle. Et en même temps, il faut demander au Seigneur, il faut enlever certaines personnes de ma vie, pour que d'autres personnes rentrent dans ma vie. Donc toi-même, tu commences déjà, et puis demande au Seigneur de donner cette force, de te séparer de ces personnes. Maintenant, la troisième chose à faire, il faut demander au Seigneur maintenant d'annuler tout ce qui est dans le livre que le 2017 en train de transmettre à 2018. Toi-même, tu vois que c'est la pauvreté. Toi-même, tu vois que c'est le célibat. Toi-même, tu vois que c'est l'échec. Il faut que le Seigneur annule tout ça. Tout ça. Voilà. Tout ça. Voilà. Nous sommes au cinquième jour de jeûne, bien sûr. Tout ça. Donc, nous sommes au cinquième jour. Depuis le 1er, hein, n'est-ce pas, 1er décembre, nous avons commencé un jeûne. Donc, on entend annuler. Il faut annuler l'échec. Il faut annuler le célibat. Il faut annuler ça. Tu annules, n'est-ce pas? Pour que ce cahier-là, toute forme d'accusation, toute forme de programmation de mort, de pauvreté, misère, soit vide. Et que toi-même, tu proclames déjà dans ce livre, hein, que 2018, parce que 2018, il y a des proclamations. Le 31, nous proclamons. Je proclame que 2018 soit comme ça, 2018 soit comme ça, 2018 soit comme ça. Et c'est cette proclamation-là qui rentrera dans ce nouveau livre et qui va t'accompagner en 2018. Voilà, c'est ça. C'est ça, la force. Parce que si tu ne règles pas avec le spirituel, le monde visible sera difficile à accepter. Parce que c'est le monde spirituel, n'est-ce pas, qui impose au monde visible des choses. C'est là-haut, le ciel, qui impose les choses au monde visible. Donc, il faut que les choses, le monde visible, accepte déjà les choses réglées dans le spirituel. C'est ça que Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il faut que les choses, que le monde, alors commence à prendre ça au sérieux et les choses iront bien. Voilà, donc, il faut commencer à imposer ça. Je veux qu'en 2018 soit mon année de mariage. 2018 soit mon année où je vais entreprendre. J'aurai mon entreprise. 2018 aura une année où je vais prospérer. Une année de temps en temps, tu prends ton livre et tu pries pendant les 10 jours. Tu vas voir que 2017 qui est en train de partir, va remettre ce dossier-là. Celui des charges ou charges à 2018. Et tu vas comprendre que 2018 sera meilleur. Ce que tu as décidé, fais l'éternel tes délices et t'honneras ce que ton cœur désire. Et tu verras les choses aller bien. Moi, chaque année, j'ai un projet. Je voulais faire l'orphelinat. J'ai eu le projet, ça s'accomplit. N'est-ce pas? Je voulais faire une entreprise Barou. J'ai mis sur le projet, ça s'accomplit. C'est ça. Mais je traite avec le spirituel. Je traite avec le spirituel. Je fais des choses sur le plan spirituel pour que les choses s'accomplissent. Pour que les choses s'accomplissent. Donc, il faut commencer à traiter. C'est ça. Si tu penses que, parce que le 30e, il faut qu'on mange. Ce n'est pas le 25, tu vas aller me faire gêne. Ce n'est pas le 30e, tu vas faire gêne. Ce n'est pas le temps, tu vas faire. Non, il faut commencer déjà à régler ça maintenant. N'est-ce pas? Cette transition, le secret de la transition, c'est le spirituel. Il faut commencer à régler ça. Il faut que le monde spirituel enregistre. C'est ce que tu dis là. C'est ce que le monde spirituel va imposer au monde visible. Parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. N'est-ce pas? C'est le spirituel qui fait le monde visible. Voilà, donc c'est ce secret que je voulais te partager. Je reviendrai encore là-dessus, n'est-ce pas? Jeudi. Je reviendrai encore là-dessus jeudi. Et j'en profite pour dire shalom à vous. Je vois Suzanne Doté. On aura besoin de vous parce qu'on est en train de former. On va former un comité de ceux de Paris. On va former un grand comité de ceux de Paris. On a déjà un comité de Lyon. On a un comité de Lyon. On mettra tout le monde de la France ensemble. Voilà, parce que tout le monde de la France sera ensemble. À partir de vendredi, ce vendredi-là, bien sûr, entre midi et deux, dans la même salle noisée qu'on appelle Vitry-Sucène, on aura une réunion à partir de midi et 14h. Tous les enfants spirituels sont invités à cette rencontre. Voilà. J'en profite pour dire merci, shalom aussi au comité d'organisation d'Italie. Chapeau à vous. On arrive très bientôt en Suisse. La Suisse, c'est à Zurich. Je serai à Zurich en Suisse à partir du... Moi, j'arrive le 14, mais le programme commence à partir du 16, 17 et 18. 16, 17, 18, Zurich. Donc, on sera très bientôt en Suisse pour, n'est-ce pas, aussi mettre un comité aussi de Suisse en place. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se passer, on doit vous suivre, on doit aider les enfants spirituels, on doit prier pour vous et tout ça. Et ça, nous sommes en train d'organiser ça. J'ai dit shalom, chapeau aussi, shalom aussi
n'est-ce pas, ce grand comité qui pilote le programme, voilà, le programme de toute cette rencontre-là. Tous les enfants spirituels de Paris, vous devez être là à ce programme. Ne ratez pas. Vous voyez, à ce programme-là, hein, on va donner de l'huile, n'est-ce pas? Chacun va mettre, nous allons prier. Il y aura une action très forte, n'est-ce pas? Et nous allons parler au programme du 8 au 9. Nous allons parler à janvier. Nous allons parler en février, mars, avril, tous les 12 mois de l'année. Nous allons faire des proclamations sur les 12 mois de l'année, n'est-ce pas? Et nous allons, n'est-ce pas, avoir ce livre-là. Dans ce livre-là, je vais, pour ceux qui auront le livre, n'est-ce pas, prière d'avortement, n'est-ce pas, des prières pour faire avorter ou bien la restitution de tout ce que le diable vous a volé, n'est-ce pas, ce livre-là. Il faut que chacun d'entre vous ait ça. Et on va essayer de prier en fonction de ça. Pendant les 2 jours, nous allons positionner les choses. Nous allons positionner les choses. Et nous avons un CD qui vient de sortir tout récemment, le CD du prophète Joël Crasso, n'est-ce pas? Le numéro 3 du CD, le numéro 3 du morceau de CD là, faites ça à votre sonnerie de l'année 2018, faites ça à votre sonnerie pendant une année. Prenez le numéro 3 de ce CD là, faites la sonnerie, vous allez voir, ça aura un impact sur vous. Le numéro 3 de ce CD là, le numéro 3, la chanson numéro 3 de CD Jubilé. Commencez déjà, prendre cette chanson, faites ça de votre sonnerie, n'est-ce pas? Faites ça à votre sonnerie pendant une année, voilà. Vous allez voir un impact. La prospérité sera sur vous. Voilà. Donc, ceux qui, n'est-ce pas, doivent arriver, ce livre-là, il fait 50 euros. Voilà. J'ai diminué et réduit pour que tout le monde accède à ça. Ça marchait déjà. Les gens faisaient des commandes. Mais pour que tout le monde ait accès à ce livre, parce que c'est le tome 1. Et nous sommes en train de préparer le tome 2. C'est à 50 euros. Voilà, 50 euros. Ne manquez pas de venir et prendre ce livre-là à cette croisée. Il n'en reste plus beaucoup. Pas du tout beaucoup. Hier, je suis sorti, je suis allé à Sergi hier. Les gens voulaient prendre ce livre-là. Je leur ai dit non, venez en salle. Parce que c'est en salle, nous allons, n'est-ce pas, faire la vente des livres. Voilà. Donc, et puis, ne manquez pas de prendre vos bouteilles d'huile d'onction et puis vos CD. Voilà. Sinon, tout va bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis en train de faire des visites depuis hier. N'est-ce pas? Avant-hier, j'ai commencé déjà les visites depuis dimanche dans les familles. Vous voyez qu'on arrive dans les familles. Ouais, le livre fait 50 euros. Je ne sais pas comment ça fait en francs suisses. Ça fait 50 euros. C'est un livre. C'était à 100 euros, on a diminué 50 euros. La connaissance n'a pas de prix. C'est même la Bible qu'on va acheter, cette Bible-là. Ma Bible Scofield-là, je l'ai achetée à 25 000 francs CFA. C'est la Bible Scofield. Et la Thomson, je l'ai achetée à 80 000 francs. Voilà, donc c'est la Bible. La n'a pas de prix. OK? Voilà, donc vous prenez, vous envoyez vos 50 euros, vous prenez les Bibles. Le livre, ça sera dédicacé. C'est un livre très puissant. J'ai déjà un témoignage. J'ai une femme centrafricaine, n'est-ce pas, Madame Nyapa, qui m'a dit, elle a commencé à prier, elle soupçonnait les gens des Maplao, elle a mis seulement leur nom dans le livre, et elle a eu des témoignages. On dit, ah, les Maplao ont commencé à trembler là-bas, donc elle vendra le témoignage. Franchement, c'est quelque chose de très balèze. Il y a des prières, c'est ce qui est intéressant. Il y a des prières, vraiment des prières qui vont vous aider. Et quand lisant ce livre, ça vous ouvre les yeux sur le monde de la sorcellerie. Il faut connaître. Et à cette convention de Paris, il doit y avoir une spécialité. On va vous donner l'explication des choses qui sont en train d'arriver avec, n'est-ce pas, la présence de l'Antichrist sur le sol. Et parce que ça sera manifeste d'une manière claire. Voilà, les gens vont commencer à travailler. L'Antichrist va commencer par cette histoire de fermeture des églises réveillées. C'est très bientôt, j'entends de prendre un décret pour fermer les églises réveillées ici, en France plutôt. Et en même temps, l'église de Satan sera très bientôt ouverte ici. Church of Satan, l'église de Satan. On va vous donner un peu, beaucoup de choses. Sauf cela que, si vous partez sur Facebook, dès que c'est fini, vous partez sur Facebook, je viens d'ouvrir une page. On appelle, c'est Révolteur contre les œuvres de la sorcellerie. Vous allez sur cette page. Vous cliquez j'aime, vous abonnez à cette page. Vous cliquez j'aime et vous êtes abonné à cette page. Cette page s'appelle Révolter contre les œuvres de la sorcellerie. Voilà. Et nous allons vous donner au fur et à mesure les éléments, les choses que le diable est en train de faire dans les secrets. Nous allons vous donner un peu, vous ouvrir les yeux sur la sorcellerie dans les différentes régions en Europe. Qu'est-ce que le diable est en train de manigancer? Donc abonnez-vous au maximum à cette page. La page c'est Révolter contre les œuvres de la sorcellerie. Vous allez maintenant, après ce direct-là,
Vous allez sur Facebook, vous allez sur Facebook, vous avez un compte Facebook, vous mettez révolté, vous ne faites pas. Là-bas, on ne fait pas de demandes d'amis, non. On clique sur le j'aime. Quand tu cliques sur j'aime derrière la page, tu es abonné. Et vous allez voir que dans ce temps-ci, nous attendons beaucoup de personnes, on attend un nombre de personnes. On attend que vous soyez déjà 500 personnes. Et puis, on va commencer déjà à vous donner des enseignements. Et sur cette page, il y aura toutes les informations possibles sur les œuvres du diable. Parce que 2018, on doit vous ouvrir les yeux. 2018, ce n'est pas de l'amusement. Et puis 2018, c'est une année où les Noirs vont rentrer dans une dimension de prospérité. Pas possible. Nous, ici, la diaspora recevra une grâce particulière de Dieu. Shalom à toi, Exode de Chambéry. Donc, la grâce de Dieu se répandra sur vous et Dieu va vous positionner. C'est pour ça que tout se prépare. Voilà, nous allons vous positionner par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de continuer les visites. Ce soir, nous serons encore dans les familles. Voilà, nous serons encore dans les familles. Il suffit seulement d'appeler Maman Bessura et son équipe. Voilà, pour prendre des rendez-vous. Merci pour ceux qui viennent de me suivre. N'est-ce pas que la grâce de Dieu demeure sur vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que Dieu vous protège contre la sorcellerie. Que l'accident qui a été programmé contre toi échoue. La mort programmée contre toi échoue. Et que tu traverses cette année 2018 au nom de Jésus. Et j'invite tout le monde à ce programme de Paris. Venez tous. Invitez tout le monde à ce Paris. Tout le monde doit être à ce programme de Paris. La puissance de Dieu sera l'œuvre. Tu es malade, invite-le à Paris. Tu es malade, invite-le. Ça serait une pluie de miracles. Ça serait une pluie de miracles. Ça serait une pluie de miracles. Franchement, quelque chose de balèze. Depuis un moment, je sens l'onction sur Paris. J'ai dit barrière sur embargo. Il n'y a pas un endroit où il y a plus de sorcellerie que Paris. Voilà. Donc, on va mater la sorcellerie. Et vous allez rentrer dans la grâce de Dieu. Vous êtes en Europe ici, on a l'impression qu'on vous a mis comme Kanimba. Il y a des gens, mais quand ils arrivent, même, c'est comme s'ils sont dans le village. Venez pour que Dieu vous délivre. Venez pour que vous rentrez dans la gloire de Dieu. Venez pour que la puissance de Dieu. Non, c'est Bessora. Le téléphone de Maman Bessora, je vous donne ça tout à l'heure. C'est Bessora. Voilà, vous partez sur le YouTube, vous aurez toutes les informations tout à l'heure. Parce que après, ce numéro, cette vidéo sera sur YouTube tout à l'heure. Voilà, donc tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu chez vous et on ensemble. Shalom à vous.